relater le déroulement du CCF dans l'éducation sportive, géré et piloté par M. Johannick, dans le cadre d'un CCF. Donc chaque élève se présente pour un slalom construit par le moniteur de l'école de ski français. Et chacun va s'essayer, et dans la vitesse, et dans les figures. En tout cas, chacun s'appliquera pour rendre le meilleur de lui-même et montrer en réalité tous les progrès du séjour. L'opération se déroule dans un cadre absolument magnifique et la mentalité du groupe va de pair. Merci aux encadrants, hein, à Jean-Yves Dinet et Marcel Johannick, et aux moniteurs. Et je n'oublie pas les élèves de ce groupe classe de seconde, absolument charmants. J'aurai du plaisir à les retrouver à la MFR pour construire leur diaporama que j'envisagerai peut-être plus sous le mode oral. Pour rendre tu vas pouvoir tenter semaine. Une autre essai. Tu précises les consignes, s'il te plaît, comme okay. Tu viens de... Alors, les gars, l'échauffement sur 5 points. La majorité de l'échauffement est fait. Vous allez terminer ici. Dans votre échauffement, vous devez introduire des virages. Vous devez aussi maîtriser votre vitesse. Ça, c'est à travailler à l'échauffement. Vous le reproduirez au test après. Ensuite, il y a 5 points sur la vitesse que vous allez avoir sur la descente. En fonction de votre niveau de départ, on vous demandera d'aller plus ou moins vite. Ceux qui étaient dans le groupe expert, vous devrez aller plus vite que ceux qui étaient débutants. D'accord ? Et il reste 10 points de technique, c'est les virages, maîtrise de la vitesse, et puis la technique de ski, voilà, la position sur les skis. D'accord ? Et vous gardez le moral ? Ah ouais, obligé avec un beau temps comme ça. Donc là, vous allez descendre. Qui vibre, mais maîtrisez votre vitesse, vous allez doucement, c'est l'échauffement, faites des beaux virages, vous remontez, vous restez là, d'accord ? Cri de guerre du groupe, puisque nous sommes en montagne ! Biquette, biquette, biquette ! Non ! Non ! Biquette, biquette, biquette ! On y va ! Biquette, biquette, biquette ! On dirait des petites biquettes. Allez les petits gars, échauffement ! On va partir d'ici, avec des piquets, des mini piquets, c'est tout pour faire autour, donc on les touche, on risque rien. D'accord ? Et j'ai choisi une piste qui n'est pas trop difficile, hein, pour que les butins puissent passer dans le sol pour faire peur. D'accord ? Donc il y aura des piquets rouges et des bleus, avec un petit peu derrière un rouge, un bleu, un rouge, un bleu. D'accord ? Donc je vais faire les lignes c'est parallèle, les débutants, d'accord ? Donc il faut regarder l'anticipation visuelle, regarder loin devant vous, il ne faut pas regarder le bout de vos pieds, il faut regarder loin devant vous pour voir les piquets. D'accord ? Donc là, vous allez pouvoir faire une petite descente de chauffement, vous allez descendre. Bon. Oh que c'est beau ! Eh ben alors, c'est fini, mon travail faut.
Et là, pour le cri de guerre en montagne, biquette, biquette, biquette. Ah, c'est pas fort, biquette, biquette, biquette. Bravo. Et bon CCF. Ça vous va la montagne? Heureux? Je vois ça. Vous reviendrez? Biquette, biquette, biquette! Alors, le temps étalon réalisé par notre moniteur. 17. C'est ça, ouais. Et regarde comme il va plus vite là. Regarde. C'est bien. Ah bon, on n'a pas regardé. Vous êtes combien vous? 17. 17. C'est bon. Pas mal, hein. Et là, c'est pas mal derrière là. T'es qu'est-ce qu'il y a là, hein? Là, il y a plus de temps là. Allez Marine, fais-moi un dérapage. Ouais, 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 ouais. Tu manques de poids. Alors moi je viens de participer avec vous au déroulement du CCF. Un premier avis par Patrick, s'il te plaît. Bah, c'est cette journée ensoleillée, cette matinée ensoleillée, super, super tracé, super salon. Super jeune là, donc moi je dis bravo. Et monsieur Johannick? Moi je suis très content parce qu'au début de semaine certains avec beaucoup d'appréhension. Silence. Descendre cette piste. Ils ont prouvé ce matin qu'ils avaient beaucoup gagné en confiance. Ouais. Et en aisant sur les skis, donc c'est très très favorable. Et vous les jeunes, votre point de vue? Impeccable, impeccable, super simple, impeccable, ma mère. Alors, on attend pas Patrick. Eh bien, moi, je vous félicite également et ça me permet d'introduire le travail que l'on va prendre à réaliser ensemble à la MFR au retour. Et je vous propose d'envisager un peu plus à l'oral. Si c'est admis par l'équipe pédagogique, je vous propose de réaliser un document, un support, dans lequel vos présentations, visites, activités comme là le CCF, vous puissiez le faire, si vous êtes 3 ou 4 par groupe, vous puissiez le faire par oral, filmé. Ok ? Donc ça, les modalités, on va les prendre ensemble et je vous les communiquerai quand on va être en séquence, en salle de cours. Ok ? Alors bravo pour votre matinée et puis bon vent pour le retour. Merci Patrick. De rien. Et je dis à l'année prochaine à Marcel. On continue Marcel? Alors si on a réussi, on garde le cri de guerre. Biquette, biquette, biquette! Ouais. Une autre fois, biquette, biquette! Ouais. Merci! Voilà, nous venons de prendre le contact et le pouls de nos jeunes, de Patrick et de Marcel. Et toi Jean-Yves, l'aîné des opérations, t'en penses quoi de cette matinée, de la semaine? Moi, j'ai vécu une très bonne semaine en tant que bénévole avec ces jeunes. Et puis, c'est un groupe qui était très agréable à encadrer. Voilà. Donc, on se dit à l'année prochaine, Jean-Yves? À l'année prochaine. On tient bon, hein? Ouais. Ils nous auront pas la peau comme ça, hein? Alors, bien, à l'année prochaine, les gars. Moi, je suis content d'être avec vous. Prochaine.